Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée avec mon invité Stéphane Cadet. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette émission. Pendant cette semaine, nous parlons du feu du Saint-Esprit et nous croyons vraiment que le Seigneur Jésus-Christ va se glorifier dans la vie d'une multitude de personnes. Il faut que vous soyez dans l'expectative pour qu'en cette journée, en cette nuit qui est devant vous, en cette semaine, vous viviez quelque chose de nouveau. Et comme on a parlé hier de Moïse, le buisson ardent, il ne s'attendait pas à ces choses. Il était là en train de faire paître le troupeau de son beau-père et jusqu'à ce qu'il voie ce buisson ardent. C'est extraordinaire. Il ne s'attendait pas à ça. Je prie, je crois qu'alors que vous êtes chez vous, en train de faire des choses naturelles, peut-être vous allez ouvrir une porte et là, vous voyez le buisson ardent, le Saint-Esprit qui tombe sur vous au point de vous bouleverser, de vous transformer. C'est notre prière. Nous prions pour vous et nous y croyons. Aujourd'hui, dans cette partie de témoignage, le témoignage d'une sœur qui s'appelle Gloire, c'est un témoignage assez drôle. Elle dit « J'ai longtemps suivi EMCI TV, mais il y avait une émission que je n'aimais pas particulièrement. C'était Prière Inspirée. Bon, » ça peut arriver. « Dès que ça commençait, je zappais et cette émission me faisait particulièrement peur. J'avais l'habitude de télécharger d'autres émissions d'EMCI TV que j'aimais beaucoup écouter dans le taxi pendant que j'allais à l'école. Mais un jour, par erreur, j'ai téléchargé une émission de Prière Inspirée que j'avais bien l'intention de supprimer. » Plusieurs mois après, comme d'habitude, j'entre dans le taxi, je mets un chant d'adoration et après le chant, automatiquement, l'émission Prière Inspirée commence. Je voulais bien changer, mais la fermeture de mon sac où était le téléphone était défaillante. Je ne pouvais pas changer d'émission, alors j'ai écouté. Et pasteur Jérémy, votre émission m'a béni ce jour-là, j'ai été touché, transporté, j'ai senti la présence de Dieu que j'avais toujours recherchée. C'était cette partie qui me manquait et par cette émission Prière Inspirée, Dieu a enlevé les écailles de mes yeux qui m'empêchaient de voir que le diable me mentait. Il m'empêchait d'entrer dans une vie de prière profonde. Ma vie de prière vide et monotone a été boostée par la réelle présence de Dieu. Et aujourd'hui, avec vos émissions, vous m'avez fait grandir dans la foi. Je résiste au diable, l'iniquité s'éloigne de moi. Je suis amoureuse et passionnée de Jésus-Christ. Merci à Jésus qui vous a puissamment utilisé pour me ramener à lui. Merci à toute l'équipe de MCI TV. Et elle dit désormais, moi aussi j'irai au secours des âmes pour la gloire de Dieu. Car la timidité qui m'habitait s'est transformée en feu du Saint-Esprit. Et c'est ce feu dont on va parler encore aujourd'hui, être en feu pour une vision. Et en parlant d'être en feu pour une vision, avant de te laisser la parole, dans Jean au chapitre 20, il y a un passage assez drôle, j'en parle dans le livre Walk in Love. Au verset 3, il est écrit, même au verset 2, donc après, il y a eu le tombeau, et Marie-Madeleine qui s'est rendue au tombeau, dès le matin, la pierre était enlevée. Il est écrit, il courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Il leur dit, on a enlevé du tombeau le Seigneur et on ne sait pas où on l'a mis. Et il est écrit, Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Ils avaient une vision. C'était de voir le Seigneur Jésus-Christ ou de voir qu'est-ce qui s'était passé. Mais ils se sont mis à courir et il y en a un qui a couru plus vite que l'autre. Et la Bible nous dit que nous sommes là dans une course et il y a un temps pour courir. Et vraiment, on doit découvrir la vision et il faut courir pour cette vision. Le fait d'avoir une vision, c'est tellement plus extraordinaire, tellement plus glorieux que de ne pas en avoir. Et aujourd'hui, dans Prière Inspirée, on va prier pour cette vision, que vous puissiez la recevoir et que vous puissiez être en feu pour la vision, si vous en avez déjà une. On croit que le Saint-Esprit va se manifester et que comme Pierre et Jean, vous allez courir, courir, courir dans cette vision parce que nous savons qu'au bout de la vision, à la fin, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Gloire à Dieu. Alors comment on peut être en feu pour une vision? Ou en tout cas, tu vas nous parler d'être en feu pour la vision. Juste avant de prêcher là-dessus, Jérémy, je pense à un témoignage. Tu parlais des gens qui peuvent être surpris chez eux, ouvrir la porte et voir le buisson. Mmh. Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ça, à l'église. Hein. Je pensais à une réunion qu'on a le jeudi soir dans une petite ville qui s'appelle Menton. C'est une annexe, donc il n'y a pas vraiment autant de monde qu'à l'église principale. Et je me rappelle un jour, je priais dans le bureau de mon père l'après-midi et il y avait plein de livres sur le feu, notamment des livres de Reinhard Bonnke, feu, le feu, le feu dans l'évangélisation. Et chaque fois que je priais, mes yeux se posaient sur le mot feu. Et ça arrivait au moins 3-4 fois et en fait, je comprends à ce moment-là que je prêche le soir et que je dois changer mon message et prêcher sur le feu. Mmh. Donc, je prends quelques notes et je vais à la réunion. Et les gens venaient et s'attendaient pas forcément à grand-chose. Forcément, c'est une annexe,
un jeudi soir, comme ça. Et on a vécu ce soir-là une réunion de feu qui a marqué notre vie. La réunion a été complètement retournée par le Saint-Esprit. Toute l'église entière est venue devant. Elles sont pris la main, les gens pleuraient, prophétisaient. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite, que Dieu puisse changer les habitudes par le feu. Amen. Et en effet, pour être embrasé, il faut avoir une vision. Dans le Proverbe 29, verset 18, il est dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. » Mais je préfère la version Darby qui dit « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, mais bienheureux celui qui garde la loi. » Ça veut dire que celui qui n'a pas de vision, quelque part, il va nulle part, il tourne en rond. Et je crois que c'est impossible aujourd'hui d'être embrasé pour le Seigneur s'il n'y a pas une vision. Par exemple, je fais pas mal de camps de jeunes. Et lors des camps de jeunes, je vois des jeunes qui sont embrasés pour le Seigneur. Et lorsqu'ils retournent dans leur église locale, ils brûlent pendant un temps, puis le feu s'éteint. Parce qu'en réalité, ils brûlent dans le vide. Ils ne brûlent pas pour une vision. Voilà pourquoi vous devez recevoir de la part de Dieu, par le Saint-Esprit, une vision. Il y a bien sûr une vision dans l'église locale, et il y a une vision personnelle liée à notre destinée. Et quand le croyant rempli du Saint-Esprit reçoit la vision de ce que Dieu attend de lui sur cette terre, il est embrasé, il est enflammé. Il ne tourne plus en rond, il ne tourne plus à droite, à gauche, il ne va plus nulle part, mais il va dans un but, vers une vision. Et dans la parole de Dieu, tous ceux que Dieu a utilisés au travers toutes les générations, on voit ça dans l'Ancienne Alliance, mais également la Nouvelle Alliance, étaient des gens qui avaient une vision. Par exemple, on voit Abraham, le père de la foi. Il est dit dans Genèse 12, versets 1 à 3, « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et toute la vie de cet homme a tendu vers cette vision, vers l'accomplissement de cette vision. On voit qu'il est parti, il a quitté Uran-Chaldée, il est arrivé à Charan, puis il a quitté Charan, et puis il est rentré au pays de Canaan, puis il est reparti en Égypte, puis Dieu l'a toujours ramené vers l'accomplissement de la vision. Et à plus de 100 ans, il a reçu son fils Isaac, et il a eu raison de persévérer dans cette vision. On voit d'autres exemples, on voit Joseph qui avait une vision. Alors, ce qui est intéressant avec Joseph, c'est que la vision, elle se traduit par un songe. Et des fois, on peut recevoir la vision de Dieu pour notre destinée à travers un songe, à travers une parole prophétique, à travers un rêve la nuit. Et en ce qui le concerne, dans Genèse 37, verset 7, il dira « Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Et je crois que ce qui a tenu ce jeune homme, la plupart des commentateurs bibliques pensent qu'il avait 17 ans, lorsqu'il était en prison et dans la maison de Potiphar, c'est la vision qu'il avait reçue de Dieu. Et cette vision l'a tenu, je pense que c'est vraiment ce qui l'a aidé aussi à ne pas tomber dans le péché avec la femme de Potiphar. Et cette vision s'est accomplie. On sait qu'il a fini premier ministre et Dieu a fait des grandes choses à travers sa vie. On voit également dans la Nouvelle Alliance l'apôtre Paul qui avait une vision. Et Paul, c'est extraordinaire. Paul est un de mes personnages préférés de la Bible. On voit, il est flagellé, il est trahi, on le lapide, il se lève le jour même, il continue à prêcher l'Évangile. Et à la fin de sa vie, il se retrouve devant un roi qui s'appelle le roi Agrippa. Et il dira à ce roi, et acte 26, verset 15, pardon, « C'est pourquoi, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à la vision céleste. » Et cette vision, il va la recevoir lorsqu'il était sur le chemin qui mène de Jérusalem à Damas, alors qu'il allait arrêter des chrétiens. Le Seigneur va lui dire, « Paul, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux et qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » Et je suis convaincu, en tant que serviteur de Dieu, que ce qu'il a fait tenir debout, c'est la vision. Quand on est serviteur, l'une des pires choses qu'on peut vivre, c'est la trahison. Et il a été énormément trahi. D'ailleurs, je pense que cette écharpe qu'il avait, c'était vraiment les oppositions. Partout où il allait, de la part des Juifs, etc. Et on voit combien il a tenu debout et il a persévéré dans la vision. Parce qu'il y avait un feu. Parce qu'il y avait quelque chose en lui qui brûlait pour la vision. On voit également, je terminerai par cet exemple, c'est Jésus. Jésus meurt avec une vision à la croix dans Hébreux 12, 2. Il est dit qu'on est appelé à avoir les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mes amis, j'aimerais vous dire que Jésus est mort avec une vision. La vision qu'il avait, c'était de voir le paradis, le ciel, être rempli
avec lui. C'est-à-dire qu'avant, dans l'Ancienne Alliance, quand les gens mouraient, ils allaient dans un lieu qui s'appelait le sein d'Abraham. Et on sait que Jésus, pendant cette période, avant sa résurrection, a libéré les esprits en prison. Et on sait que tous les saints de l'Ancien Testament sont rentrés dans le paradis. Et aujourd'hui encore, tous ceux qui croient en lui peuvent être sauvés. Et Jésus est mort avec cette vision. C'est ce qui fait qu'il a tenu à Gethsémané. C'est ce qui fait qu'à la croix, il n'est pas descendu. Quand on lui a dit « descendre la croix », il est resté parce qu'il avait une vision. Son cœur brûlait pour quelque chose. Et j'ai remarqué que souvent, la vision est précédé d'un fardeau. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Néhémie. Et on sait que dans Néhémie 2:2, il avait un chagrin par rapport aux murailles de Jérusalem qui étaient détruites. Et le roi lui dit « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Et il dit « Je fus saisi d'une grande crainte. » Et là, j'aimerais dire une chose, Jérémie, que tu as sûrement vécu. C'est quand tu as une vision et qu'il y a un feu, des fois, il faut faire attention de ne pas tomber dans une forme émotionnelle tellement lourde que le fardeau nous écrase. Et je pense que Néhémie, il devait souffrir à cause des murailles. Ça reste le fardeau de Dieu quand même. On doit le porter aussi, mais c'est son fardeau. Et son fardeau est doux et léger. Mais une chose qui est sûre, c'est que Néhémie ne va pas rester juste les bras croisés. Le feu qu'il avait en lui va l'amener à prier. On sait qu'il va jeûner. Dans Néhémie 1, versets 4 à 7, il est dit que lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnais, je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, le feu lui donne de prier. Et si vous avez reçu une vision de la part de Dieu, vous devez régulièrement vous retrouver dans la présence de Dieu pour que le feu reste allumé. Qu'on appelle mettre des bûches sur le feu. Et bien plus que cela, on sait ensuite qu'il va passer à l'action. Dans Néhémie 2:5, si le roi trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Néhémie 2:7, puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et j'aimerais juste terminer en disant que si vous avez une vision, parfois, Dieu nous parle et on a l'impression que la vision va s'accomplir du jour au lendemain. Et souvent, je dis que Dieu donne d'abord le pays, ensuite la région, ensuite la ville, ensuite le quartier, ensuite la rue et ensuite le numéro de la rue. Ça veut dire que plus on va avancer, plus la vision va se préciser et ça va mettre un temps avant l'accomplissement de la vision. Et dans Habacuc 2, versets 2 et 3, version second 21, il est dit « L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la vision ». Sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Et si vous avez un feu dans votre cœur pour une vision, comme Dieu le dit à Habacuc, écrivez la vision, de manière claire, qu'on puisse la lire couramment, dit le Seigneur, afin que lorsque dans les temps difficiles, vous doutez de la vision, vous puissiez la lire et que le feu reste attaché à votre cœur. Amen. Amen, c'est bon. Il faut que la vision s'installe, Amen. Qu'elle demeure dans le feu. Alléluia. On va prier un moment, frères et sœurs. Pensez un peu à ce que Dieu a déposé dans votre cœur. En prière. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Est-ce que c'est encore écrit? Est-ce que c'est un souvenir? Est-ce que c'est oublié? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites pour accomplir cette vision? Cette semaine, j'ai écrit en début de semaine sur une feuille sur mon bureau. Que vais-je faire cette semaine pour cette vision? Dieu nous parle. Qu'est-ce que nous faisons pour que la vision avance? Saint-Esprit, merci. Merci. Merci pour les visions que tu donnes à ton peuple. Père, je prie que la vision puisse être claire dans les cœurs. Je prie pour ceux qui n'ont pas cette vision, qu'ils puissent vraiment y entrer, qu'ils puissent y demeurer et que le feu de la vision brûle dans leur cœur. Je prie pour ceux qui ne l'ont jamais écrite, qu'ils puissent l'écrire. Ceux qui n'ont pas pris le temps de voir, qu'ils puissent voir. Ceux qui ne font rien pour la vision puissent commencer à agir dans la vision, pour la vision. Merveilleux Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, alors que nous sommes le corps de Christ et
que nous sommes membres de ce corps. Tu as donné, Seigneur, des talents. Tu as donné, Seigneur, des visions. Tu as donné un but, Seigneur, à chacune de nos vies. Et je prie, Père, en cette journée, pour ceux, Seigneur, qui nous regardent et qui ont laissé de côté cette vision, ceux qui ont laissé de côté ce talent. Je prie, Père, en particulier pour ceux qui devaient écrire un livre et qui ne l'ont jamais écrit. Je prie pour ceux, Seigneur, qui ont un cœur qui brûle pour les perdus, pour un cœur qui brûle pour aller auprès de personnes peut-être qu'on a oubliées. Seigneur, comme des prostituées, comme des gens de mauvaise vie. Mais à cause, Seigneur, des circonstances de la vie, ce feu pour cette vision s'est arrêté. Père, je prie pour eux que dans le nom de Jésus, là où ils sont, Père, le feu du Saint-Esprit soit libéré maintenant. Que le feu du Saint-Esprit vienne pour réanimer cette vision. Père, que dans les entrailles, quelque chose se passe maintenant. Que dans l'esprit, quelque chose se passe maintenant. Que plusieurs qui ont abandonné leur talent, qui ont mis de côté leur livre, qui ont mis de côté leur partition, qui ont mis de côté leur instrument, qui ont mis de côté leurs notes, Seigneur, puissent à partir de maintenant, dans le nom de Jésus, se lever dans la vision. Père, comme cette vision de la vallée d'Ézéchiel, la vallée des ossements desséchés, où la parole de Dieu dit que le prophète va prophétiser et va dire « parle aux eaux desséchées ». Et à l'instant où il prophétise, la Bible dit que c'est comme une armée qui se lève et qui se met en route. Nous prions que plusieurs qui ont abandonné leur talent se remettent en route, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous libérons l'onction sur vous. Et en particulier, ça revient dans mon esprit, je vois des gens qui doivent écrire dans mon esprit. Vous devez écrire des chants, vous devez écrire des livres, vous devez écrire quelque chose. Il y a un aspect prophétique dans votre vie qui se manifeste par l'écriture. Certains ont un aspect prophétique qui se manifeste par la prophétie, mais dans votre vie, à certains qui nous regardent maintenant, ça se manifeste par l'écriture. Et vous devez écrire quelque chose dans le royaume de Dieu. Et nous libérons sur vous une grâce. Et nous déclarons que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite et que vous allez achever. Achever quelque chose dans le royaume de Dieu. Que vous ne serez pas comme ces gens qui, à la fin, ont enterré leur talent parce qu'ils ont eu peur ou parce qu'ils n'ont pas compris qui était le maître. Recevez une onction pour vous remettre en route. Une onction pour travailler maintenant. Travaillez à votre appel. Travaillez à la vision. Travaillez à votre service. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, rababa ya ramamanto. Oria la 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 chebe bebe ya. Oria baba baba so. En ce temps de prière, demande au Saint-Esprit. Éclaire-moi, illumine les yeux de mon cœur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Montre-moi à nouveau. Rafraîchis la vision en moi. En ce temps de prière, adresse-toi à Dieu. Alléluia. Qu'il rafraîchisse la vision. Qu'il renouvelle la vision. Et si tu la connais, c'est le temps de la proclamer, c'est le temps de la dire avec ta bouche. Ainsi le Seigneur fera. Tu m'as appelé à. Et vous déclarez ce que le Seigneur vous a appelé à faire. Et vous déclarez ce que le Seigneur vous a montré qu'il fera. Si vous êtes vu en rêve, en songe, en train d'imposer les mains aux malades, alors vous déclarez, je suis quelqu'un qui impose mes mains aux malades. Et lorsque j'impose mes mains aux malades, les malades sont guéris. Oh, brassatamaï, dépresse, oh yo. Plusieurs qui nous regardent, c'est comme des écailles qui sont sur vos yeux. Et que le Seigneur veut faire tomber. Cette jeune fille qui s'appelle Gloire a déclaré dans ce témoignage que des écailles sont tombées de ses yeux. L'apôtre Paul, alors qu'il a reçu cette vision céleste, la Bible dit que Ananias va prier pour lui et des écailles vont tomber de ses yeux. Et c'est comme si dans mon esprit, je vois plusieurs qui ont des écailles pour ne pas comprendre et ne pas voir la vision. Et on va prier pour vous maintenant que là où vous êtes, ces écailles tombent de vos yeux. Et qu'à partir de cette émission, la vision soit claire. Ce que Dieu attend de vous soit clair. J'aimerais dire que Dieu n'est pas quelqu'un qui joue à cache-cache avec nous et qui veut constamment cacher ses plans. Il dira à Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées, de grandes choses. Et nous prions maintenant pour vous. Mettez la main sur vos yeux. Si vous sentez comme des écailles spirituelles, mettez la main sur vos yeux maintenant au nom de Jésus. Et Père, nous prions maintenant pour ceux qui mettent la main sur leurs yeux, pour que des écailles maintenant tombent au nom de Jésus. De la même manière que les écailles sont tombées dans la vie de Gloire, de la même manière que les écailles sont tombées dans la vie de l'apôtre Paul,
Cet homme, Saul de Tarse, qui est devenu Paul, nous prions maintenant et nous prophétisons sur vous en déclarant dans le nom de Jésus que dans la francophonie, maintenant plusieurs voient les écailles tomber des yeux. Amen. Et vous recevez une parole spécifique. Ça peut être un rêve, ça peut être une vision, comme Jérémie l'a dit. Ça peut être une parole prophétique dimanche matin qui résonne dans votre esprit. Ça peut être un message de la part de Dieu. Recevez maintenant dans le nom de Jésus. Recevez et soyez envoyés dans la moisson dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Souffle, Saint-Esprit. Souffle maintenant derrière les écrans. Souffle. 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 Alléluia, Père, je prie. Je prie qu'il puisse courir. Et je prie qu'il puisse courir vite. C'est toi qui as donné à ton serviteur Élie de quoi manger. Et après avoir mangé, il s'est endormi. Il se reposait. Mais ce n'était plus le temps de dormir si tu lui as donné à manger. C'était pour courir. Père, je prie pour tous ceux à qui tu as donné à manger. Mais qui, après avoir mangé comme Élie, à qui tu as donné de la nourriture, se sont endormis. Père, si tu nous donnes à manger, si tu nous donnes une vision, ce n'est pas pour qu'on s'endorme avec. Père, nous te demandons pardon. Pardon pour toutes les fois où on s'est endormi, toutes les fois où on était là et on s'est croisé les bras. Et ta parole déclare qu'à force de se croiser les bras et de dormir, Seigneur, on va mourir. Et la vision va périr. Père, je prie pour ces frères, ces sœurs qui, comme Élie, ont reçu à manger mais se sont endormis. Merci parce que une deuxième fois, tu es venu auprès d'Élie lui donner à manger. Et cette fois-ci, il a couru, il a entendu ta parole et il a couru et plus rapidement qu'un char. Père, on ne sait pas ce que peut enfanter un jour, ce que peut enfanter une vision. Et nous croyons que tes pensées sont élevées au-dessus des nôtres. Nous croyons que ce n'est pas une question de nous, mais ce que nous pouvons faire, c'est toi qui l'accompliras à travers nous. Père, je prie pour mes frères, mes sœurs qui ont entendu, qui ont été nourris par la vision, mais qui se sont endormis comme Élie. Père, je prie qu'à nouveau, ils puissent être nourris à travers ce temps de prière et qu'ils puissent courir comme Élie, plus vite et plus rapidement qu'un char, plus rapidement que n'importe quel cheval, plus rapidement qu'aucun instrument humain. Père, quand la vision se manifeste, quand la vision est reçue, quand la vision, nous y soumettons, tu fais des choses extraordinaires. Père, je te glorifie. Alléluia. Tu m'avais déclaré il y a des années que j'avais donné autant que je le pouvais ma voix, mais que tu allais me donner un énorme système de sons et que ma voix allait aller rebondir et revenir à moi en témoignage à la gloire de Dieu. Père, à cette époque, il n'y avait rien. Je ne pouvais pas imaginer ni la télé, ni les émissions. Mais tu l'as fait. Et Père, de la même façon, tu as parlé à des hommes, à des femmes. Tu leur as donné une vision. Et pour eux encore, c'est quelque chose d'impossible. C'est quelque chose auquel ils ne pensent pas parce que c'était tellement grand qu'ils l'ont oublié. Et Père, je prie qu'ils puissent courir pour cette vision. Je prie qu'ils puissent courir avec une force surnaturelle. Ta parole nous demande, devenez puissant à tous égards par sa force glorieuse. Père, je prie que ton peuple devienne puissant par ta force glorieuse. L'apôtre Paul déclare que tout ce qu'il fait, c'est à cause de la puissance qu'il habite. Qu'ainsi, les puissances qui les habitent puissent les amener, puissent vous amener à courir à la course avec un feu nouveau, le feu que donne le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci. Nous prions pour ceux qui ont du mal à terminer ce qui commence. Ceux qui ont commencé quelque chose par rapport à l'appel spécifique de Dieu. Ceux qui ont démarré quelque chose dans la vision, mais qui se sont découragés, arrêtés en chemin, qui n'ont pas persévéré, qui n'ont pas écrit la vision pour la lire couramment. Père, nous prions pour eux dans le nom de Jésus. Que là où ils sont, tu fasses d'eux des jusqu'aux boutistes. Qu'ils aillent jusqu'au bout. Qu'ils commencent et qu'ils achèvent. Qu'ils commencent et qu'ils terminent, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père. Nous prions maintenant pour eux, Saint-Esprit, que des gens se remettent en marche.
que des gens se remettent en marche dans les choses que tu leur as données, Seigneur. Dans les appels spécifiques, Père, te prions pour ça. Aide-nous à aller jusqu'au bout. Aide-nous à persévérer à l'image de Jésus qui, Seigneur, alors qu'il agonisait sur la croix, alors qu'il était mourant, alors, Seigneur Jésus, qu'il portait sur lui la maladie, la malédiction et le péché, a été jusqu'au bout à cause de la vision qu'il avait de nous sauver. Que, Seigneur, le cœur de Jésus soit notre cœur. Que la passion de Jésus soit notre passion. D'aller jusqu'au bout, jusqu'au bout. Que comme lui, Seigneur, plusieurs soient sauvés au travers le ministère que tu nous as donné, Seigneur. Et à travers la vision, Père. La vision n'est jamais pour nous, pour satisfaire un homme, mais toujours pour bénir ceux qui sont au dehors. Te prions pour cela, Père. Nous libérons ces choses au nom glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Père, je te remercie parce que quand tu nous envoies, tu vas souvent mettre à nos côtés des hommes, des femmes pour nous aider, pour accomplir la vision. Père, je prie pour ces aides précieuses. Amen. Qu'elles puissent s'entourer et venir au secours de ceux qui la portent, de ceux qui portent la vision. Père, je prie que personne passe à côté et s'endorme à cause de choses administratives, yes, à cause de dossiers à régler, d'aspects légaux, yes, le droit. Père, je prie que tous ceux qui se sont arrêtés à cause de l'aspect administratif, comptabilité ou autre, puissent aujourd'hui relever leurs manches. Amen. Et à nouveau courir à la course. Marche. Amen. Amen. Avec ta grâce, avec ton aide. Et je prie, Père, que tu envoies vers eux et autour d'eux des personnes pour les aider. Yes. Des Betsaléels qui seront là pour les aider dans la vision. Yes. Père, merci. Nous te glorifions et nous voulons te rendre toute la gloire pour la vision que tu nous donnes. Mm-hmm. C'est toi qui donnes la vision du ciel. Amen. C'est toi qui nous as placés en tant que membres dans le corps pour accomplir ta volonté. Amen. Père, merci pour ceux qui sont dans l'église, le pied. Merci pour ceux qui sont l'œil. Yes. Merci pour ceux qui sont la bouche. Merci pour ceux qui sont le cœur ou les poumons, les reins. Seigneur, merci pour chaque personne. Amen. Nous te glorifions. Amen. Nous te remercions de la place que tu nous as donnée. Oui, Père. De la vision que tu nous donnes. Merci parce que personne ne peut dire « Dieu ne m'a pas donné de vision ». Et tu donnes une vision à tous. Amen. Pour l'unité de la foi, pour la croissance du corps de Christ. Oui, Jésus. Père, je prie que chacun puisse découvrir vraiment, yes, reconnaître quelle est sa position dans ton royaume. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ, et nous te glorifions. Alléluia. Alléluia. Je voudrais vraiment vous encourager, comme Stéphane, tu le partageais, à écrire la vision. C'est tellement important. Il faut prendre le temps de l'écrire. J'encourage souvent les gens à l'écrire sur une page. Prenez une page A4 et vous écrivez la vision. Ensuite, vous pliez la page de l'autre côté et vous écrivez la vision sur la moitié de la page. Ensuite, la partie que vous n'avez pas utilisée, vous la pliez en deux. Et à nouveau, vous écrivez. En fait, vous allez préciser la vision de plus en plus. Il faut écrire la vision jusqu'à ce qu'elle puisse tenir dans une phrase. Connaissez la vision en une phrase et vous pouvez la composer sur une page entière. Mais en tout cas, écrivez la vision, nous vous encourageons à le faire. On vous bénit au nom de Jésus-Christ, on va se retrouver demain dans Prière Inspirée.